Bonjour Philippe, que prépares-tu aujourd'hui? Ce midi, en entrée, c'est une salade de riz au thon, ensuite un sauté de veau maringot et haricots verts, un fromage et un liégeois chocolat. Quels ingrédients vas-tu travailler? La salade de riz au thon, donc, ça va être tout simple, hein. C'est du riz cuit ce matin avec des poches de thon, assaisonné avec une vinaigrette maison et une échalote. Pour le sauté de veau maringot, donc, c'est un morceau de collier de veau qui est revenu dans du beurre et de l'huile d'olive, avec des petits oignons, grelots, des champignons, déglacés et finis au fond au faux brun lié et le concentré de tomates. Peux-tu nous dire ce qu'est le grammage? Alors le grammage, c'est le poids que l'on doit respecter pour chaque enfant. C'est-à-dire qu'il y a une catégorie de grammage entre les maternelles qui n'est pas le même pour les primaires, pour les pré-ados et pour les adultes. Est-ce qu'il y a beaucoup de gaspillage à la cantine? Donc depuis 2 ans, il y a de moins en moins de gaspillage sur le restaurant scolaire, on fait plus attention. Vous les enfants, vous faites déjà plus attention à ce que vous mangez. Et nous, sur la cuisine, on commande en fonction des repas aussi. Que devient la nourriture qui n'est pas mangée? Alors, la nourriture qui est cuite et qui est consommée le midi est jetée à la poubelle malheureusement. Quel conseil tu peux donner aux enfants pour limiter le gaspillage? Alors pour limiter le gaspillage, les enfants, goûtez. Quelles familles d'aliments sont plus jetées? Alors certains plats en sauce, hein, et on a remarqué aussi quand ce n'était pas du poisson frais, on jetait plus. Vous voyez les enfants, on arrive en fin de cuisson. Donc on a mis un klaxon de camion pour bien se rappeler que voilà, c'est la fin de la cuisson. Donc ensuite, j'ouvre le four, faites attention, il y a de la vapeur. Donc là, ce midi, c'est les haricots verts. Donc je vais sortir les plaques pour tous les légumes ici. Tout ce qui est légumes verts sont cuits en vapeur. Combien de kilos de haricots as-tu préparé pour ce midi? Comme c'est des légumes, on cuit environ 7,5 kg. Alors le mercredi, on part sur 10 kg de viande. Sur des viandes en sauce, entre 35 et 40 kg de viande. Combien de temps de préparation as-tu mis? Alors les temps de cuisson aujourd'hui, les haricots verts, il faut compter 20 minutes en vapeur, hein, en four vapeur. Et sur le sauté de veau maringot, il faut compter 2 heures de cuisson. Mais baisse ta main, baissez la main. Prends le docteur. Non, c'est bon. Hop. Comment tu veux les haricots verts? Beaucoup, un petit peu. Beaucoup d'oignons. Tu veux comment? Beaucoup. Un petit peu, s'il te plaît. Plein de sauce, plein. Pas aimé, mais on a tout mangé. Moi, j'en voulais pas beaucoup, mais on m'en a trop mis. Peut-être qu'on va en entendre. Oui, vas-y. Mince, ça va. Reprends ça, je vais te filmer quand tu veux. Mais... Vas-y.